Mauvaise nouvelle chaque jour dans tout pays d'Haïti, quel que soit côté dans pays a ou pas épanoui en bas insécurité ça. Bonjour bonsoir internet, ça dépend de l'heure ou même vous regardez ou bien tendez on dit audio et vidéo ça à la fois. Nous même Haïti Media on c'est ça nous porter pour nous porter lumière, nous porter toute information yo ba ou mais entre-temps n'a demandé pour nous abonner avec chaîne là, abonner avec page là parce que c'est tout ça qui est important pour nous parce que les nous toujours rentrer la caille, on a porté cette vidéo ça pour vous, il est toujours bon pour abonner ensemble avec nous pour encourager nous, commenter et puis ou même avis pour li bon tout parce que les monsieur on est dans l'état les kidnappeurs regarder vidéo ça, les app li commentaire pour on penser la utile yo tout, la petit on les gens la caille tout. Pas de problème, nous d'accord, on paquet nèg en Haïti servi de kidnapping comme business yo. Pas de problème tout. On paquet bandi en dans pays a concevoir ou bien recevoir et puis prend et puis pratiquer on dit kidnapping nan pour business yo mais ciblé on dit moun kap craser pays a plutôt on kidnapper nèg kap craser pays a chaque jour plutôt nèg yo kidnapper plusieurs mais avec paix nèg 400 marozo c'est yo kidnapper yo c'est nèg sa yo même qui confirmé que yo kidnapper monsieur dame paix et puis mère yo kidnapper religieux yo religieux nan nèg yo nèg yo pas jamais parler avec parents on dit proche mais yo avec père yo parmi moun sa yo kidnappé yo en parlant de mère avec père yo gen la dedans qui gon paquet l'âge gen la dedans c'est 74 ans gen la dedans c'est 80 ans gen la dedans tout c'est des moun qui pral attaquer on dit 100 ans tout parce que l'âge en pile qu'on est le plus souvent l'homme mère avec père c'est plus grand moun yo même qui entamé avec comme c'est belle activité mais yo te kidnappé monsieur dame sa yo ben grand moun sa yo et yo pas jamais parler avec proche yo on dit monsieur nommé champil donc comme ça monsieur 400 marozo ça nommé champil et pas seul 400 marozo grand vin toute une base qui fait kidnapping village de Dieu nommé champil monsieur nommé champil parce que le pourquoi lors kidnappent on malheureuse les familles pas jamais qu'attend des nouvelles qui sont maintenant tête famille ça qui sont maintenant tête amis ça li mouri carrément moun yo malade yo on dit c'est moun qui toujours kay docteur c'est des moun qui toujours kay docteur léopold kay docteur yon jour on dit c'est tant de bagarre empirer les médicaments moun ça au fini. Est-ce que vous êtes kidnappé avec médicaments dont nous pas connaît mais moun yo jusqu'à présent là t'as semblé ou mourir dans mes monsieur t'as semblé moun yo mouri gen mouri dans mes monsieur yo t'as semblé gagner qui mouri dans mes monsieur yo si monsieur pas jamais capable avec famille on dit moun sa yo gen doute dans kidnapping ça que moun sa yo gen la dog pas envie toujours et après jodi a là on paquet business fermé. On paquet business fermé, on paquet l'école qui a acquaintance avec catholique fermé, on paquet l'école frère, l'église yo fermé jodi a. Vous comprenez? On paquet business tout, yo fait chaîne solidarité a, yo fermé tout. Le pourquoi? Peut-être kidnapping nan insécurité a. Ou après canez, on paquet l'autre encore yo fermé porte jodi a là. Et les business ça yo fermé porte yo, li pas bon pour pays a. Li pas avantage pays a parce que c'est business ça yo qui indique qui a pouch pays a. Capouche pays qui ça l'état lui-même lui dit dans dossier ça jusqu'à présent aucun rien pas dit aucune conférence aucune lettre pas sorti pour ça yo pas dit rien yo pas dit rien pour monsieur dame perio merio qui nan main base bandi sans foi ni loi zagoloray kidnappé 400 marozo yo pas jamais dit rien mais pendant ce temps tout assoir là pendant parler là monsieur et perio avec mais nan main bandi ça yo nan main a tout fait oui. Yo même baron ça yo même diable ça oui et monsieur gen diable ça n'a regardé récemment là non vidéo nèg yo posté nèg yo lagué photo pile zam yo ak acolyte yo qui campé k'ap fété k'ap rekob li pas bon comme ça. Est-ce que image ça yo joue en faveur pays ya? Est-ce que image ça yo joue en faveur on dit constitution président république toujours parler de li a faire promotion pour lui là référendum non? Est-ce qu'elle joue en faveur référendum ou non? Qui sont décidé faire dernièrement là, hein, la Russie t'a proposé une aide pour freiner l'insécurité. Qui ça elle t'a fait? Il t'a viré d'où bay aide ça. Il t'a viré d'où bali. Il t'a accepté avec yon l'autre m'pa konnen qui dizon li ensemble avec monsieur dame OEA yo. M'pa konnen qui t'était lang yo ensemble mais monsieur nèg yo méchant. N'est-ce pas admettre qu'il n'y a pas un pays dans le monde? N'est-ce pas admettre qu'il y a saccagé pays dans un contexte qui est mal? N'est-ce pas comprendre ça?
Mais entre-temps, on parlait de l'état nous qui est compétent face avec kidnapping ça qui fait récemment là sous Perio Merio qui pas jamais ka joine on dit famille yo pas jamais ka rentrer en contact ensemble avec kidnapper yo ou on ça qui mal dans l'histoire famille Merio famille Perio parce que c'est des grands monde on dit qui souffre un paquet maladie yo relé monsieur yo gen contact monsieur t'es le premier jour t'es négocié yo relé sous même numéro ça pas jamais ka joine yo. Et c'est des voleurs qui ont plusieurs téléphones tout. Nèg fon tout ça. N'a pas excuse expression mais nèg voleur oui. Nèg bandi a tout fait oui. Yo gen plusieurs téléphones. Donc yo plein téléphone mais pour entrer en contact et yo pour entrer en contact avant Isaac Pimal là. Et ça Pimal là est un autre. Yo seulement quand entrer en contact avant ou relo pas ca joindre yo. Nous gon paquet compagnie dans pays qui ca aider freiner kidnapping là. Au paquet institution qui ca aider ça. Et gon paquet là yo tout qui connaît côté bon. Ou kon sak pi mal la nan analyse n'ap fè yo an chita sou sa ni la police sa wè jodi a la kap de gingo le kap monte le ciel pa doa et an di m pa donné la police oui parce que c'est l'autre pour recevoir an di autorité concernée nous toujours tande a parler de li magali habite un paquet l'autre là autorité concernée yo konnen côté kidnapper yo ye Jimmy Cherizé dil alias barbecue ancien policier li campé là nan devant la presse li dit li bay côté kidnapper oui et qu'on est Léon Charles par contre côté kidnapper oui c'est qu'on est président république là par contre côté kidnapper oui c'est qu'on est pas qu'on est nouveau premier ministre monter la Claude Joseph li connaît côté kidnapper oui on paquet nèg nan l'état qu'on est côté kidnapper oui qui s'est passé yo pap vle pour yo entamer des solutions pour freiner zak sa yo même toujours dit moi même analyse nous fait nous toujours dit comme ça parce que l'on besoin arranger youn ou déranger l'autre qui ça pour faire pour ranger pays pour ranger population pour ranger problème insécurité ça pour population éliminer ghetto yo entrer là-dedans ou bouler ghetto yo innocent pas innocent bouler yo craser dedans. Donc si ou pas faire a toujours gain sécurité a sou pral la prendre sensibilité pour moun ki innocent dedans a toujours gain sécurité ou ba on délai de 3 heures de temps pour tout moun sorti dedans yo pas sorti nous kangre dedans ça prend c'est pas yo c'est ça l'idée. Donc en clair que monsieur dame Perio Merio donc je dis à là yo chante en messe pour et péter fiel voler là yo fait yo chante messe côté en dans Pétionville là Saint-Pierre là en dans Saint-Pierre là au chante en messe là gros de blousaille qui pète gros de blousaille la police comme imbécile yo en train dedans bay moun yo gaz pendant moun yo y a protesté pour libération moun yo ki nan men vie kidnapper sale nek pa ben nek ki pa l'école yo en train dedans yo joine moyen ya zade yo j'al bay moun yo gaz dans l'église là ça qui pas sérieux pendant y a protesté contre frère yo famille yo ki nan men vie kidnapper. Mais on prend conscience. Monsieur dame 400 Marozo ça yo, rentrez en contact avec famille moun yo s'il vous plaît. On entendez. On connaît n'attendez vidéo ça. M'donné n'a regarder vidéo ça, n'a attendez audio. Tant pour voye moun yo aller. On prend par là avec famille père yo, famille mère yo. Donc et ba nouvelle yo. Il y a envie prendre nouvelle moun yo. On connaît kidnapping dans ce business pour nous c'est la dan nous fait cob. Mais monsieur, nous connaît fiel nous pétons les. Nous connaît ça. Bien content nous ça me rappeler nous ça mais on nous rentre en contact avec famille moun yo pour nous ka di OK faire sentir en forme parce que information arrive dans nous là dans rédaction nous là t'a semblé que moun gen mouri parce que grand moun 89 ans ça comment est-ce qu'on pense qu'il ka résister en bas en di souffrance là en dire là yeux le maré en don chambre et puis li pa manger li pa consommer rien parce que moun sa yo d'habitude yo pa consommer n'importe bagay. Des fois mon li rit arrivé dans at life ça yo l'a attaqué vieille maladie ba cardiaque vieille maladie en dans li pa ka consommer n'importe bagay ki manger possible nek sa bral bay moun yo ki manger possible bral bayo bon ba ya bal vivre pour tête yo comme de nos jeunes nek sa occupé nek sa au luxe et vrai samdou la c'est ça nek sa au luxe l'état voye comme pour yo excusez mais c'est si me dit nous pas mal manger pas faute moi tendez et pas faute moi mais nous méchants monsieur nous méchants en pile. Nous azadons, nous jouons malais. Nous kidnappons moun yo. Nous mandons paquet l'argent pour yo. Et c'est des plusieurs frères, mères, soeurs qui n'ont même monsieur yo. Nous kidnappons yo. Nous parlons avec famille yo une seule fois. Jusqu'à date. Nous ne pouvons jamais parler avec yo encore. Nous méchants, monsieur.
nous méchants en pile, nous méchants en pile. La République témoin de ça, tout pays reconnaît ça, nous toutes, nous méchants, quel que soit qui dans paix, nous méchants, monsieur. Et bon Dieu, ouais nous, bon Dieu, ouais nous, bon Dieu, ouais nous. Haïti kidnapping société, toutes les institutions de l'Église catholique ainsi que plusieurs entreprises sont restées fermées ce jeudi 15 avril 2021 pour protester contre le kidnapping et l'insécurité en Haïti. À quoi peut-on s'attendre? Donc là, dans quelques minutes, il fait 11h56, dans 4 minutes exactement, toute cloche l'Église dans le pays va sonner en même temps, simultanément. Et nous-mêmes, on va sonner cloche. Matin débat, parce que c'est nous qui toujours sonne cloche dans le pays. Pour dire assez. Pour dire assez. Et dès pour elle midi, nous toujours sonne cloche dans l'espace matin débat. Et je dis assez cloche qui va sonner contre kidnapping, contre insécurité dans le pays. Chose intelligente, lui. C'est bien. Ouais, me dit, nous allons sonner cloche pour nous dire assez. Assez. Et bien, oui. Pas dire oui. Assez. Assez, oui. Et c'est pas de cloche. C'est cloche. Ok? Et bien, qui s'est passé, madame, monsieur? Il y a quatre pères que Basse 400 Marozo kidnappé avec deux mains. Bon, là, c'est un gars qui a fait un peu de temps, il y a beaucoup de jeunes. Et jusqu'à maintenant, n'a pas parlé à la paix au meilleur pour libérer. Et ça qui peut être la paix à tout, ravisseur parle encore. Quand il y a famille, après les gens qui sont ravisseurs, ils n'ont pas de téléphone. Bon, bien entendu, ils ont toujours utilisé différents signes. Mauvais signe. Non, mais son mauvais signe. Non, oui, son mauvais signe. Mauvais signe. Maintenant, mauvais signal. Ça qui est inquiété. Famille, c'est que n'a pas le la madame monsieur Gamouni oui? Et Gamouni qui a 45 ans, Gamouni qui a 80 ans. Ok, ça qui inquiète famille, c'est que moun sa va gagner un kidnapping. Moun sa yo que kidnappé au père avec meyo gagne la de yo pour me dire parce que puis fois la de yo yo maladif. C'est des moun qui besoin médicaments à longueur de journée constamment. Oui. Constamment. Et je dis à qui pas qu'à médicament. Yo mange compliqué. Ça veut dire qu'il bagaille, yo baga manger l'huile, justement. Yo baga manger sel. Bon, chef, yo mange tout. Bon. Maintenant, famille très inquiété, famille très inquiété parce que yo pas vrai que ce problème médicament que yo pas qu'à prendre. Et puis pour nous, yo ta pour payer avec me, yo ta mourir dans mes ravisseurs. Bagaille simple. Vous avez dit que, imaginons aujourd'hui, hein, ce qui pression que famille ça y est. Mais, madame, monsieur, ça pour nous comprendre, je dis à tout. Jeudi 15 avril 2021. C'est Paya qui campait. C'est l'Église catholique qui campait. C'est business. C'est business qui campait. C'est que les affaires là qui campaient là. Mais il va bien fois non que combat il va se dans le pays avec une bonne décision ça. Il y a environ 45-43 et business, gros business là qui fait mes portes pour journée. Et ça dangereux. Et ça très dangereux. Malou pour que ça dangereux pour maintenant tout. C'est la première fois non que vous m'avez passé dans le pays. Et puis tout pour camper. Mais après. Demain si vous campez, demain si vous marchez. Et ça me dit, et puis après. Non mais problème non, là c'est l'État oui, qui va laisser pas signal là. Allez mon frère. Si c'est l'État, je dis un qui est responsable. Bien entendu, toute la responsabilité est de l'État. Oui. Ok? Si ils sont l'État, m'en fous bien. Ils nous quittent mes pour son café. Parce que écoutez, madame, monsieur, je dis c'est bon grain du bout d'apprendre. Si nous avons un signal, c'est bon grain du bout d'apprendre. Faut nous d'abattre nous. Ok? Ils ont des délais pour nous dire que à partir de ce 15 avril jusqu'au 15 mai fermé net. Et puis, il faut que c'est pour partie fermée ou l'autre partie fermée. Et il faut pas que l'hypocrisie la même tout, non? Pourquoi ça me dit que le danger est là? Non, risque, il y a là. D'abord, nous-mêmes, c'est pas politique qui a fait là. Je vais dire que les gens. Pas au secteur là qui va regarder les business qui ferme. Et puis, des matos va jouer, même secteur ça va le doux, ou même va le fermer. Ou va le fermer? Donc, ça veut dire que là où on va le fermer. Ou déjà appelé pour les choukons, comprenez bien, il peut rentrer dans tout. Moi-même, je ne sais pas si l'idée de publier les business sur le pays, ou là, je pense que le danger, dans le contexte politique que nous avons là, dans le moment où on a parlé là. Parce que le peuple a déjà acquis une mentalité, plus
Gide moun kap vye le tèt pep sa, ou la pèlante, dépendamment de terrain, yo ka dou, ah, mette le business, l'en tap fè mouvement, ok, ki pa fèmè, nek sa yo, si de kolo ki yoye, yo pa mérite la nan business encore. Est-ce que vous comprenez? Et puis demain, ton coup de boîte bleu, et puis business a gagné. Alors, ou ka, gon l'autre cas de figure, ou ka gade le tout. Gon nek ki gen terrain nan pa fèmè, hein. Et puis, du coup, ça que, moi, ça donne, ou ça yon nan mouvement, alors, ah non, ah non, ça non. Ça, c'est l'église Saint-Pierre de Nabdadé à côté de la télévision. Donc, l'absence de cloche là, en pile émotion dans toute l'église, l'église catholique à travers le pays. Cloche là, absence dans tous côtés. Le pays à là, dans tout le pays à toute l'église en pays à là. La ville, section communale. Amidi et c'est qu'on y a, mais ça va aller avec toutes nos frères réunis dans l'église Saint-Pierre, dans Pétionville. Un bureau de sa grâce. Absolue. Dans toute l'église catholique à travers le pays. Dans le domaine du perpétuel secours. L'étendue du territoire national. On dit non au kidnapping, non à l'insécurité. On dit non au kidnapping. Non à l'insécurité. Plusieurs business sont importés aujourd'hui. Vous êtes rentré dans l'église Saint-Pierre avec les pancartes. Et vous avez une manifestation. Vous regardez l'image là, on a parlé là, donc sur chaîne 4, télé éclair également sur YouTube, à ma créée électorale. Plusieurs pancartes. En pile émotion, en pile vibration, en pile émotion, en pile vibration. En pile émotion, en pile vibration. Cloche a sonné sur toute étendue du territoire national là. C'est jeudi 15 avril 2021. Même si on nous fait chaque matin, dans l'émission Matin Débat. Non au kidnapping, non à l'insécurité. Non au kidnapping, non à l'insécurité. Ok, bon. Et nous pouvons nous dire que à qui s'en garde nous, nous faisons journée. Ah, mais à qui s'en garde nous aujourd'hui? Après mes là, attendons-nous capables de gagner des manifestations improvisées à travers toute l'étendue du territoire national. Déjà matin là sous Delma, caoutchouc a boulé au niveau du Delma 47 et caoutchouc est déjà boulé dans quelques zones dans la capitale. Ok. Après mess là, après mess ça qui va être fait là, dans toute l'église catholique à travers le pays, attendons que qu'il y ait des manifestations improvisées sur toute l'étendue du territoire national. Mais la question encore, Jésus l'exidore, mais matin à toutes, c'est des mouvements d'émotion. Ouais. Émotion. Oui. Oh ben, la grande émotion qu'a traversé. Alors même gens et ils ont été kidnappés. Alors c'est ça nous toujours dit hein. Ils ont été kidnappés un chauffeur et des syndicalistes, ils ont été campés. Bien bien. Et ils ont été campés, ils ont fait grève. Bien. Ils ont été kidnappés, ils ont été tués et docteur Padi, secteur médical là. Bien bien. Ils ont fait grève, ils ont protesté, ils ont été kidnappés, ils ont avocat. Et avocat ou te prend la rue, ou t'a demandé libération. C'est chaque secteur, à chaque fois. Li touche, gon mambli qui touche, et ben gon moment côté que yo de manière séparée. Mais nous, malheureusement, pour qu'on rende nous compte que c'est tout secteur, c'est tout pays qui touché par phénomène kidnapping, par phénomène d'insécurité. C'est nous tous qui pouvons faire un fond commun pour nous dire non
pour nous dire non, je ne sais pas, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un jour. Parce que c'est un sacrifice. Je veux dire sacrifice. Donc, si nous faisons camper pour nous dire autorité, assumer responsabilité, nous agir, j'aurai pas nos missions pour agir, et bien, nous tous nous faisons ensemble. Bien. Et non pas chaque secteur de côté parle qui, et à chaque fois, le toucher, pour lui-même lui faire. Donc, c'est nous tous qui nous faisons ensemble. Et c'est ça, je pense. La bien plus poids, c'est ça me penser qui capable et qui capable permettre que et ben mon mieux et autorité yo agi, yo rend yo compte que vraiment c'est pays qui camper, c'est pays, c'est pas quelques secteurs, c'est pas un secteur. Et dans le secteur privé, il y a des business qui fait mais là, c'est parce que c'est en solidarité à la famille Tebo. Tebo, oui, voilà, oui, c'est pour insécurité, c'est sécurité, pour kidnapping. Donc chaque yo fait pour yo raison, il y a mon qui c'est mon mieux qui mourir, il y a mon tout c'est pour l'église catholique qui fait, c'est parce que yo gagné mon mieux que yo kidnap. Justement, ok. Eh bien, je dis à moi, parce que Pierre Matéda, tout José Lexidon, gouvernement Jovenel Moïse là, doit prendre très au sérieux, mouvement d'église catholique fait aujourd'hui à la pays, avec le secteur privé. Et c'est un signal clair, au point que Pierre Matéda, tout, moun qui parle l'église, moun qui dans la rue, moun qui la caillou, yo tout à battre ténèbre, yo tout à battre porte, yo battre barrière, yo sonné cloche, yo sonné bout de bois, yo frappé poteau, pour dire non! Ah, est-ce sécurité ça qui n'a pas eu un mouvement kidnapping ça qui n'a pas eu un phénomène kidnapping ça qui n'a pas eu et que nous sommes capables de finir. Et chacun me dit la chose, je l'ai dit de vous permettre la doute. En tout cas, faut nous vérifier avant. Faut pas un jour seulement. Nous avons essayé de sauter quelques jeunes familles. Famille. Famille, mon mieux kidnappé, c'est yo. Ok. Parce que vous avez une image de moi là. Alors, ce n'est pas une image, non, mais qui est criminel. J'ai juste besoin de confirmer d'abord. Okay. Avant de nous parler. Et nous, quoi, donc, là, et ça, mon avis, que marié avec ça, on va penser que c'est arrivé. Et justement. Mais nous, pas. Nous, pas qu'à dire. Alors, si vous avez une famille là, qui a suivi, une famille. M'a pensé depuis tout à l'heure, pas qu'à venir. Nous, nous, kidnappé, c'est religieux. Est-ce que pas bon petit appel. Ne kidnappé, m'a pas l'eau. Est-ce que vous avez un moyen vraiment pour qu'un bé en vie, un monde qui est diabétique, qui est âgé, pendant 5 jours? Alors, vous avez un dépendamment de ce qui base qui prend. Vous avez base qui prend. Yo connais que c'est misé au misé, il a fait comme là quand même. OK. Si vous avez un médicament, il y a qui médicament lié. Il a cherché. Il a cherché pour vous. OK. Même si c'est Pétionville, il a voué en antenne. Monter Pétionville, acheter médicament et sous un médecin tout qui connaît prescrit médicament, il a voué monde sous deux pieds médecin pour faire joindre médicament. Ça c'est dans Kamoun si c'est en base bien équipé, bien organisé. Ouais. Ok, qui est capable de gérer ça. Mais si tombe dans une base qui n'est pas tellement organisée et qui n'est pas tellement d'expérience, tout, ou du moins c'est cool à faire, ou du moins c'est le premier coup que l'a fait, bah bon, si, ou tu comprends tel ou tel médicament, et puis je n'ai pas le temps de tout, et puis je n'ai pas ça, donc ou déjà là pour mourir. Ou déjà là pour la mort. Ok? Donc ça veut dire que les ravisseurs ne pas continuer à communiquer avec famille au matin, c'est là qui pratiquement donc inquiet. Là, c'est inquiétude totale capitale. Et à ce qu'il paraît, il y a des images que nous parlons de monde là qui t'a peut-être bien l'autre information. Oui, l'autre information. Très bien. Alors, parallèlement, ça qu'a fait là, il n'est pas évident que le président attende le long. Bon, le monde attend le volet parce qu'actuellement, il a parlé de Marion. Très bien. Qui va lire? Il a fait une conférence là actuellement, président. Très bien. Il t'a supposé. Pleine Marion. Très bien. Très bien. Écoutez là. Ok. Gagné Donald Philippe, et bien, TV Banou, et qui est dans Washington, qui invite tout à ici Washington, nos marches, et qui a fait Washington. Alors, compétition pour signer pour dire que sous d'accord, viennent participer dans nos marches là. Vous pouvez appeler Donald Philippe 410-624-5749. Ok? Vous pouvez appeler Donald Philippe dans 410-624-5749. Nous croyons que nous avons Donald Philippe avec nous sur l'île là, qui a donné plus de détails, plus de précisions. Donc, ce match ça, contre kidnapping et insécurité en Haïti, que vous pouvez organiser. Donc, Washington, Donald Philippe, comment nous? Bon, salut Loco, salut l'accident, salut Pierre Matenta tout, et nous saluons Esaïe César, quelqu'un sur côté que l'IA, parce que nous va dire côté lié. Nous saluons le peuple haïtien, et nous disons merci. Et alors, pétition que nous gagnons,
et nous pouvons finir approbation de la police de Washington et puis de United States Capitol Police et de l'office du maire de Washington. Ok. Approval déjà, n'attend nos derniers approval. Donc maximum monde que nous capables de gagner avec pancarte violente mais c'est 50 monde qui doit dire a écrit en anglais parce que mon ne pas parler créole, ne pas parler français, c'est anglais au parler. N'a besoin d'un pancarte qui pour dire free kidnappings in Haiti. Free kidnappings in Haiti. N'a besoin 50 monde qui pour relayer nous et nous pas prendre plus que 50 monde parce que c'est limite à cause de Covid là. Y a n'a besoin tout le monde 50 monde ça yo pour yo mettre masque ensemble avec un fichil pour yo mettre parce que si que nous besoin et relayer moins comme le conseil de numéro A, c'est le 667 212 6900. Alors nous sommes présents à n'importe quel moment de la durée pour recevoir ces appels disons dans la non, une heure de temps encore. Nous pas bon numéro de téléphone de la FIB. Bon numéro de téléphone. C'est 667-212-6900. Alors, nous avons plusieurs téléphones, oui, et locaux. Nous avons 443-635-5420. Très bien. Très bien. Eh bien, d'accord. Merci, Bill. Pas de problème. Merci, Loco. Merci, tout le monde. En forme. En forme. Voilà. Alors, c'est pas même j'ai ici, non? Et Washington, il y a une autorisation pour manifestation fait, mais 50 personnes. 50 personnes, avec 4 dans le mur. Ok? Le message est passé. Alors, mais 50 personnes, ce ne sont pas 4 personnes. Parce que c'est le message. Ouais. 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 Et ce sont pas 4 personnes, pratiquement, pour Washington. Ah oui. Washington, tout vos bureaux. Oui, oui. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, hein, j'ai bien dit l'émission à Télébat. Et est-ce que aujourd'hui est capable de mener en déclic, Magonet? Mais je dis, c'est un gros signal que le pays, pas même dire l'église catholique et le secteur privé, c'est un gros signal que le pays, pas le gouvernement. Et ce gouvernement, je dis, reconnaître que son signal que le pays a voulu Bali. C'est là-bas, être là encore là. Je dis, c'est une de mobilisation justement pour dire non au kidnapping et à la sécurité. Et quel que soit mon pays, dans le pays, ben, quel que soit mon pas épargné dans le pays, madame, monsieur. Donc, est-ce que c'est jour d'hier soir, on a fait, on a fait pour 3 jours, ou bien est-ce qu'on a fait un sacrifice pour nous faire pour 15 jours? Ça l'a fait. Et je crois que quand il travail, oui, qui vous faites là? Comme on dit, pas étonné, bien entendu, c'est ça qu'on a fait même. Ou bien, il y a des manifestations improvisées. Qui va faire après l'église, après messieurs. Et ceci, tout côté dans le pays. Ou qu'on a qui ça, ça va aboutir. Je tiens à ce 15 avril. Ou par contre, c'est que papa, c'est demain également, donc pendant le week-end, non. Qui est-ce que nous allons là pour nous connaître? Si nous t'avons Josué, Père qui nous met, messieurs. C'est vous qui vous nommez, monsieur, vous êtes mouru. Ou bien vous êtes mouru. Vous êtes mouru. Ou bien vous êtes mouru. Je ne sais pas ce qui va passer dans le pays. Même je vous dominique, madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Même je vous dominique, côté que gouvernement, entre guillemets, t'as impliqué dans négociation pour libérer les Dominicains. Tout ça, guillemets. Yo ouais, non, tout guillemets. Yo dit lui. Mais yo dit lui, Magali dit lui. Tout ah, mais voilà, yo dit, okay. Yo négocié, yo baille l'argent, donc pas un guillemets. Pas un guillemets, très bien. Ok? Même si le gouvernement t'a participé dans la négociation pour libérer les Dominicains, eh bien, je dis à gouvernement, doit entrer dans la négociation pour libérer les Péo. Avec Péo. Parce que si le père ça a un problème là, mais ça a un problème, il a mouru dans le kidnappé, pas grand plus de chance pour le gouvernement s'arrêter là dans le pays. Et parmi les pays, pas oublier que les deux sont tous en français. Pas grand plus de chance pour le gouvernement s'arrêter dans le pays. Donc je dis, le gouvernement obligé de rentrer, même s'il parle, dans la négociation avec le kidnappé pour libérer le père avec moi.
Madame, ce matin, nous ne pouvons jamais analyser là pour Sandy Alba arriver, non? Comme il dit. Pour jeter de ce là, je dis là, pas de des manifestations improvisées à travers tout le pays après, messieurs. Et en cascade. Ou par contre, ça, à qui ça va aboutir? En tout cas, j'espère que le gouvernement, je dis là, il prend ça très au sérieux et que il recevra un signal que le pays a bas. Il n'est que d'attendre. Et, la et ça crée la kidnapping ça, spécialement. Et. Oh, c'est tout de lui. Ni kidnapping et docteur, ensemble avec comptable là, et kidnapping religieux, c'est deux affronts pour le gouvernement. Parce que, pas oublier, le gouvernement te dit clairement qu'il a démantelé ni gang village de Dieu, ni 400 maos. 400 maos, vous songez? Parce que l'occasion est caille, et pas caille là, non plus action. Ouais, ouais. C'est pas l'occasion côté basé. C'est moun yo exam yo qui pose action. L'occasion est caille, il a démantelé. Ça que ça soit démantelé. Il y a l'autre côté. Ah bah, ensuite, vous songez, il te dit clairement, oui, puisque la police pas qu'on pris un bloc. Mais c'est là où on va faire quoi pour reconstruire ça la police. Il te dit lui et au fait. Et au fait. Il dit c'est là où on va prendre monde pour faire quoi pour reconstruire le carrière que la police a écrasé. Et au fait. Donc si on a fait un bagage, fait monsieur. En tout cas, on a regardé pour nous. OK. Nous parlons avec l'éditorial là. Haïti, un héros brandissant la tolérance zéro à l'égard des trafiquants d'armes. Toutes les mesures étaient jusqu'ici utilisé par nos hommes d'État pour doser la lutte contre les sécurités semble toujours inappropriée et fausse. Alors il continue de prendre des mesures. Le 12 avril 2021, le président de la République, Jovenel Moïse, décide d'appliquer la politique tolérance zéro au trafic d'armes en Haïti. Mais qui sont ces trafiquants d'armes? À qui sont-ils utiles? Le jeudi 20 août 2020, à Saint-Marc, des agents douaniers ont découvert une cargaison d'armes comprenant notamment un fusil de calibre 9 mm de fabrication roumaine. Récemment, la police nationale d'Haïti a procédé au CAI à l'arrestation de deux jeunes bandits. Ces derniers portaient des armes fabriquées en Roumanie. Paragraphe, ça est important. Paragraphe, ça est important. Et on a tout rentré à premier point. Oui, oui, c'est le cas. À tout premier point, qui sous table là? L'émission Matin Débat pour ce jeudi 15 avril 2021. Oui, c'est l'État. On a tout marié la presse à qui dit Haïti en sécurité, tolérance zéro contre les trafiquants d'armes en Haïti. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans le cadre de ce dossier? Là, nous avons éditorial là. On nous relit deuxième paragraphe éditorial. Le jeudi 20 août 2020, à Saint-Marc, des agents douaniers ont découvert une cargaison d'armes comprenant notamment un fusil de calibre 9 mm. De fabrication roumaine, ça veut dire pays Roumanie. Récemment, la police nationale d'Haïti a procédé au CAI à l'arrestation de deux jeunes bandits. Ces derniers portaient des armes fabriquées en Roumanie. Ces deux exemples suffisent pour illustrer la dimension transnationale du crime organisé en Haïti. La Roumanie fait partie des pays d'Europe ayant appartenu au bloc de l'Est. Chacun sait que la Roumanie est la plaque tournante du trafic d'armes en provenance d'Ukraine. Décidément, le président Jovenel Moïse est un héros s'il décide d'appliquer la politique de tolérance zéro au trafic illicite d'armes. Mais contrôle-t-il suffisamment son territoire? Vu l'embargo contre Haïti sur les armes, l'État n'a-t-il pas besoin de ses trafiquants pour s'approvisionner? C'est une question. Quelle relation entretient Haïti avec la Roumanie? N'est-ce pas qu'il existe un consulat de la Roumanie en Haïti? Voilà autant de questions pour le héros. Elles sont aussi adressées au nouveau Premier ministre Haï, Claude Joseph, qui assurément cherchera à vaincre l'insécurité. Un éditorial signé Robinson d'Haïti. Donc pour l'émission Matin Débat, je rappelle que les éditoriaux de Matin Débat sont également la pensée même donc de l'émission Matin Débat. Pour nous parler avec monsieur d'Haïti, nous avons toujours eu l'île dans 31 55 43 25 pour tout commentaire et analyse.
Madame, monsieur, nous entrons dans la première analyse matin débat pour ce jeudi 15 avril 2021. Comme vous m'avez dit, ici, nous avons un jouet, nous avons un blague. C'est aussi une petite blague, c'est peut-être au début de l'émission. Ici, il y a ces pays que nous avons, et c'est quoi ce pays qui parle sous table matin débat. Vous êtes capable de marquer tout en fait, nous prenons responsabilité de parler causer pays. Mais parler causer pays tout, c'est pas tout le monde qui a pris main. C'est pas tout le monde qui a pris main. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. Mais il est tout fait clair que causer pays sous table matin débat et il fait débat. Nous espérons que nous avons appris attention. Analyse ça qu'on a fait matin, ce qui c'est premier pour qu'on ait débattu dans le matin débat. Sous question trafic d'âme dans le pays. Monsieur Laïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment vous êtes? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, bonjour Maître Lexidor, bonjour député Pierre Martin Tatout, bonjour Isaïe César, bonjour à toute équipe technique là et tout auditeur et auditeur capteur des noms pour nous faire commentaires sur l'éditorial 5 ici. Haïti a héros brandissant la tolérance zéro à l'égard des trafiquants d'armes. Toutes les mesures jusqu'ici utilisées par nos hommes d'État, c'est pas un moment où on a pris les moyens là, par nos hommes d'État, pour doser la lutte contre l'insécurité, doser la lutte contre l'insécurité, semble toujours inappropriée et fausse. Alors, est-ce qu'on a notre explication sur ça? Oui, justement, nous sommes des vidéos à nous faire tout récemment, et puis dans l'après-midi, Premier ministre Jout, en fait, l'ex-Premier ministre Jout, t'es présenté des missions, quand on a parlé des gros efforts du gouvernement, et des mesures, et ex-Premier ministre Jout, qui toujours prend des mesures. Nous connaissons Taher qui prend mesure en pile, qui est toujours à prendre mesure. Mais je me dis, on a des mesures, on a des mesures. On a des ici, on a moins et on a mesures. Mais les mesures sont gratuites. Mais on dirait que ça nous donne comme homme et femme d'État dans le pays. Il y a des mesures qui sont gratuites. Si vous avez 7 millilitres, si vous avez 10 millilitres, il n'y a pas qu'à jouer. Donc, son véritable lobby, il y a sachet, puis on voit qui donne, qui convenable, qui est approprié évidemment à la lutte contre l'insécurité. Donc, virer tout le monde ici après mesure, après mesure, après mesure, après mesure, pour combattre l'insécurité. Et jusqu'à présent, et nous avons qu'à combattre l'insécurité. Hein. Et la toute dernière mesure, c'est Jovenel et Moïse, le président de la République espagnole, côté lui déclarer tolérance zéro à l'égard des trafiquants d'armes. Très bien. Il y a trafiquants d'armes, ça, et tout d'abord, et qui est sur eux, nous sommes l'ex-premier ministre. Vous posez deux grandes questions. Qui sont ces trafiquants d'armes? À qui sont-ils utiles? Pour qui est-ce travail? Pour qui est-ce travail et à qui est-ce utile? Je pense que c'est très utile. De toute manière, parce que bon réseau qui est établi en Haïti, bon réseau qui gagne l'embrassement, côté gagne le monde ici, que ce soit commerçants ou pas, et des pays de monde qui n'a pas de drogue, qui besoin d'armes, et supposé passer dans le couloir et qui n'est pas formel. Mais nous connaissons tout gagné un embargo et sur les armes contre Haïti. Et l'État besoin d'armes, l'État besoin d'armes, même la présidence, le palais national besoin d'armes pour vous sécuriser le président de la République là. Mais si bon embargo et sous armes contre Haïti, côté l'État lui-même, besoin d'armes, gros d'armes la utilisé. Et sûrement, et c'est par le biais des trafiquants d'armes. Donc, j'ai l'impression que les trafiquants d'armes sont aussi utiles à ces réseaux et qu'à l'État. Très bien. Et vous posez là, moi, que vous posez en fait problème ou manière, et ou pratique à titre d'exemple, en fait, ça qui est passé, c'est ma classe d'armes qui était faite à ses mains, plus deux jeunes garçons que la police a arrêté ou même maîtrisé, donc dans le sud pays, hein, et dans deux cas, ça vous parlez de armes qui t'a sorti en fait en Roumanie. Et ou clair en sous question, donc Roumanie, c'est un pays, je le dis à là, qui est en question de trafic d'armes avec l'Ukraine. Oui, bien sûr. Non, ce sont les pays du bloc de l'Est. Et c'est des régimes communistes et en Europe. Donc après l'effondrement du bloc de l'Est, et tout trafiquant d'armes d'Ao, il y a cherché des territoires qui sont instables, évidemment, pour investir des dieux et puis pour faire commerce d'armes. Non, ça c'est clair. Mais moi-même, dans toute présentation d'armes que la police qu'on a fait,
ça a toujours attiré l'attention parce que Roumanie, son pays qui est très instable et son pays kidnapping fait à la seconde, Roumanie. Son pays kidnapping fait à la seconde, grand pire, son pays qui a haute criminalité, évidemment. Mais l'autre exemple, par exemple, jeudi 20 août 2020, côté des 9 mm de fabrication roumaine, et tout récemment, au CAI, la police a arrêté deux jeunes qui peut-être gagnent 16 ou 18 ans, environ ça. Et il était joint une dame Namé, une dame qui Namé a été fabriquée en Roumanie. Maintenant, il a été chercher connexion parce que grand consulat de la Roumanie en Haïti. Il a cherché comprendre qui relation Haïti gagne avec la Roumanie. Ils sont déclarés tolérance zéro aux trafiquants d'art et que chaque zame aux jeunes, bon, évidemment, si zame ça n'a pas sorti aux États-Unis, et d'autant plus que bon embargo soit ici, donc ça va adresser problème, il faut adresser problème vraiment à la source. Côté zame ça a sorti, et pour qui ça, et parce que le problème qui vient, moi-même, je me dis ça déjà, Haïti vient en marché, je ne veux bien. En marché, n'a fait grande criminalité organisée bien. C'est clair. Et bon, bon, même Google chose ça. Et moi, c'est que c'est une remarque assez importante. Parce que, autrement, on voit les choses là maintenant en Haïti. Niveau que criminalité apprend actuellement en Haïti. Parce que, pas oublier que, on m'a toujours dit ça déjà. Si c'est ou même qui ouvre la caillou, n'importe qui est capable d'entrer. Et pas oublier que, je veux dire, le monde charge problème. Le monde charge problème. Et quand il blague un problème. Le marché de la drogue, pas qu'à faire sans âme, pas qu'à faire sans kidnapping. Mais je veux dire, Haïti, si Haïti pas un marché important pour question âme, eh bien, je veux dire, Haïti a un marché important pour question âme, sous question et criminalité. Attention, madame, monsieur, faut nous voir tout un économique là. Je veux dire, Haïti, c'est un marché pour la criminalité. Gardez tout volume vidéo, quantité vidéo qui sous réseaux sociaux. Ou regardez qui quantité munitions. Je dis à qui en possession du moins qui rivait jouer un bandit. Parce que yon exhibé. Gardez qui quantité d'âmes, je dis, qui n'en met bandit. Madame, monsieur, ça c'est âmes qu'on n'en met bandit. Est-ce que nous comptons qui quantité d'âmes que chaque monde est là? Ça, qui connaît. Ça c'est bandit qui décide de tout. Qui pas fait. Qui pas fait. Est-ce que vous qui quantité d'âmes que des monde gagne la caillou. Monsieur Marquette yo qui là je dis là. Yo chaque bon petit là mais dans maquette là. Monsieur Marquette yo chaque bon petit là mais dans maquette là. Donc monsieur Sayo qui gagne maquette yo qui gont il armé pour sécuriser maquette là, ce qui est tout à fait normal parce que il y a là qui dit que il va venir aucun déchou caillou mais aucun vagabond quoi dans pays ça. Ok? Maintenant, les armes que sécurité market ça a à côté de l'Union. Et c'est les armes de gros calibre. Munitions, je dis à qui en dépôt pour l'armée market ça a eu. Ou qui quantité de munitions qu'on a eu. Comprenez ça? C'est une des compagnies, je dis à multinationales qui n'ont pas eu. Par exemple, Digicel. Digicel qui a une propre sécurité. Bien entendu, je passe par un compagnie de sécurité qui s'est à compagnie et c'est à la torture. Comme couverture parce que. Une compagnie internationale, multinationale, pas qu'à venir dans le pays, pour venir avec propre compagnie de sécurité, parle. Les deux ont une compagnie de sécurité haïtienne, locale, pour valider. Donc, les compagnies parlent. Mais comme en fait, comme couverture, en fait, à Géo, c'est pas tout qui c'est haïtien. Je dis à ce gars, mon gigolet, qui quantité d'âmes dit, c'est l'armée qui a sécurisé, dit celle-là. À ce gars, mon gigolet, qui quantité d'âmes, que l'armée, ça gagne. Les munitions, justement, pour âmes, ça a la guide pour Digicel météo. Excusez-moi, madame, monsieur. Si n'a pas le chat, n'a pas le chat. Si n'a pas le chat, n'a pas le chat. Parce que je dis, hein, ou que des institutions qui pas dans la guerre, qui pas capable d'exhiber ça, ou est bandit à faire, mais von Glaise ou ça, oui. Ou qu'on est qu'en matière de sécurité, yo sécurisé tête pas yo. Je dis à l'ambassade américaine également. Ou qu'on qui quantité d'âmes qui l'ambassade américaine. Les agents de l'ambassade américaine, est-ce que c'est eux tout qui crédible? Comprenez bien, madame, monsieur. Donc, si on pose des problèmes, on nous pose des problèmes. Et quand on va te débattre, nous là pour ça, justement. Pour nous poser des problèmes pays, pour nous poser des problèmes, je veux dire que la société ça va confronter. Le président de la République, le 12 avril 2021, il fait une déclaration claire sur ça. Tolérance zéro contre les trafiquants d'armes en Haïti. On a le dit ça. C'est un président qui a parlé, bien maintenant, tout. Et bien, n'importe qui m'a dit, non, son président qui a parlé.
Et président parlait sous base d'information que lui-même ligué comme chef d'État. Et il connaît exactement de qui ça l'a parlé. Eh bien, madame, monsieur, où sont donc les actions? Monsieur Daïtien, continue. Oui, oui, mais certainement, Louko, moi-même, je considère le président Jovenel Moïse comme un héros et s'il décide d'appliquer politique sur le 01. Mais est-ce que le contrôle territoire, là, c'est-à-dire port, aéroport, etc., là, c'est clair, c'est pas simplement prendre des mesures, parce que nous prenons trop de mesures, et j'aime bien dire, dans le commencement de texte, là, nous avons une mesure maintenant, mais nous qui n'est pas gradué, n'absassé, qui donne, qui est approprié à lutte contre l'insécurité, à ne pas t'ajoindre. Parce que nous prenons mesure, on sort, disons, là, et tolérance zéro contre les trafiquants d'armes. Est-ce que nous contrôlons le territoire, là? Ça sont éléments extrêmement importants. Et je voudrais dire, je pense que c'est peut-être l'obstacle que le Premier ministre a eu, Claude Joseph, a bien pour contourner. Parce que l'affaire de sécurité, hein, et les coquins en cause en pile dirigeant, je voudrais dire. Très bien. Bon, en tout cas, vu l'embargo contre Haïti sur les armes, en fait, les armes de guerriers, et est-ce que je pose une question, est-ce que Haïti vraiment pas besoin trafiquant d'Amzao pour lui approvisionner tête-lui au niveau de la PNH, par exemple? Mais Haïti gombago sous tête là, et n'a fait d'armes que les États-Unis imposé. Mais pour l'État by sécurité, je veux dire, avec des bandits qui lourdement armés, faut jouer les armes. C'est avec Rossi Balgoumé comme bandit, mais c'est pas avec Tikoutou Balgoumé avec bandit. C'est clair. C'est des armes. Pour jouer des armes, c'est dans le couloir, informé de la bouche de nous. C'est clair. Merci. Donc, même que le déclaré tolérance zéro contre les blancs, et une révolution qu'il a bien besoin. Très bien. Merci en pile, et monsieur Obezon Haïti. À demain, matin débat. Merci en pile. 31-55. 43-25, si vous voulez continuer à faire débat avec M. Daïti sous éditorial émission Matin Débat. Ok. Il n'y a pas que l'ambassade américaine qui gon l'armée. C'est toutes les ambassades. Est-ce que nous t'es jamais une question Zamna dans le pays, dans la dimension ça? Non. Je dis que je dis à Haïti vient au marché important pour la criminalité. Qui est-ce qui gagne Zamna? Qui est amélioré? Qui est aujourd'hui qui a munitions? Information! Il y a arrestation qui va être faite à partir de la déclaration du président de la République, côté que lui déclarer tolérance zéro contre les trafiquants d'armes. Il y a arrestation qui va être faite. Parce que le président, il n'y a pas de monde qui fout. Il compte de qui ça exactement a parlé. Il a dit que le monde qui a trafic, ça m'a dit, il y a le président qu'on est. Eh bien, est-ce qu'on est que Jean-Rebel Dorsena n'est pas lui qui a parlé qui a gagné non monde que c'est un DDR, l'État haïtien identifier qui est dans la question de trafic d'âme dans le pays. Et bien, plus fort dans ça, ils ont représenté parmi 11 familles qui ont dit qu'ils gagnent contre le pays. Plus fort dans ça, fait partie parmi 11 familles qui ont plus l'argent pratiquement dans le pays qui gagnent contre le pays. Ce n'est pas économique. Et bien, c'est là une barbarisation. Pas oublier, madame, monsieur. Ou qu'on paye, ou pas qu'à l'envoi pour qu'il tombe. Seulement, on nous suit l'évolution actualité. Parce que si le président déclare, décrète, tolérance zéro contre le trafic d'armes en Haïti, un président qu'on est, Ligon Mounio, et puis deuxièmement, Moun Sayo, il va l'obliger quand même. Mettez la justice donc derrière yo. Donc faut clarité yo. Ne marchez qui d'abîme ou pas qu'à dit